Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ici à Dubaï, il est 7h54. Je pense que chez vous en France, il doit être 4h du matin. Non, bientôt 5h. Bon, mon anniversaire, c'était super. Je vous ferai un petit récap après. Je suis en train d'emmener Mia à la crèche parce que aujourd'hui, c'est la fête des mères ici aux Émirats Arabes Unis. Donc, on va fêter ça à la crèche du coup. Attendez, parce qu'il y a un monsieur devant qui me dérange avec son tracteur. Voilà, donc je l'ai semé. Donc là, à la crèche, ils ont organisé une petite fête pour la fête des mères. Donc je vais y aller. J'ai pris mon café avec moi dans la voiture puisque j'ai besoin d'une bonne dose de café. Voilà, donc je reviendrai sur mon anniversaire un petit peu plus tard. J'ai eu des questions aussi auxquelles je vais vous répondre après. En tout cas, c'était vraiment un bel anniversaire. C'était vraiment très très sympa. Et voilà. Donc là, je prends la route tranquillement. Je suis encore dans ma résidence, mais je prends la route pour la crèche. Alors là, on est au centre où tous les enfants ont préparé des choses pour leur maman. Donc je vais vous montrer, c'est trop mignon. Thank you, Mia. But this is not yours. Is it yours? Wow, my love. Thank you so much. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai énormément de choses à vous raconter. Je sais même pas par quoi commencer. Alors hier déjà c'était mon anniversaire comme vous avez pu le voir. Et j'ai fêté ça sur un bateau voilà, magnifique, hyper sympa, avec tous mes amis et tout. Bon, il y a certaines personnes qui n'ont pas pu être là et d'autres qui sont en France, pareil, qui n'ont pas pu se déplacer. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé vraiment un super moment, c'était génial. On a loué le bateau avec notre conciergerie My Butler Dubai. J'ai fait venir un traiteur sur place. J'ai fait faire un magnifique gâteau par le chef pâtissier David Croisé ici à Dubaï qui a fait un gâteau merveilleux comme je l'avais demandé. Je vais vous partager une petite photo après. Vous me direz si vous aimez ou pas. En tout cas, voilà, je suis vraiment hyper contente de ma journée. Tout le monde s'est éclaté. C'était trop trop bien. On s'est trop amusé. Franchement, tout le monde était hyper ravi. En tout cas, vraiment merci à tous mes amis présents, c'était vraiment génial. Et merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, les uns les plus beaux que les autres, parce que franchement, vous m'avez énormément touchée, dont les comptes fans, mes amis proches, voilà, des personnes à qui je parle quotidiennement ou pas, d'autres aussi. Voilà, donc vraiment merci, merci, parce que j'ai reçu une tonne de messages et j'ai continué à répondre encore ce matin à tout le monde. Donc a priori, j'ai répondu à tout le monde. Alors, pour répondre à certaines de vos questions, je vais vous répondre tout de suite parce que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont demandé pourquoi je n'avais pas invité Julia Paredes à mon anniversaire. Sachez qu'elle a été invitée, elle a juste pas pu venir parce que avec ses enfants, c'était compliqué, elle ne pouvait pas venir sur le bateau. C'était pas trop adapté, on va dire. Donc, malheureusement, elle n'a pas pu venir. Donc, vous inquiétez pas, on n'est pas en froid et surtout, elle était invitée. Alors concernant Jazz aussi, ça fait quelques jours que je reçois des messages et vous me demandez si on s'est réconcilié. C'est vrai que pendant plusieurs mois, on s'était pas parlé à cause de gaminerie, clairement. Des fois, vous aussi, ça peut arriver qu'on se parle plus avec quelqu'un pour des conneries. Voilà, donc là, je vous le dis clairement, c'était des conneries et elle et moi, on le sait.
Voilà, c'est pas pour autant qu'on ne s'est pas aimé ou autre. Moi, déjà, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur et que je porterai toujours dans mon cœur. C'est une personne que j'aime beaucoup. On se connaît depuis des années et j'adore son parcours, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a créé, sa famille et tout. C'est une personne que je soutiens au quotidien et qui, pour moi, est une vraie amie. Donc oui, on s'est réconciliés il y a quelques jours à l'anniversaire de Giovanni. Comme certains d'entre vous l'ont remarqué. Donc on a eu l'occasion de se revoir. De remettre les points sur les i. Et c'est vrai que pendant ces quelques mois où on ne s'est pas parlé, ça m'avait beaucoup affectée. Le fait de ne pas lui parler, le fait de ne pas voir London à sa naissance, le fait qu'elle ne soit pas venue à l'anniversaire de Mia. Voilà, c'était des choses qui m'ont beaucoup touchée. Je vous cache pas. Donc, pardon. Je suis contente de l'avoir retrouvée aujourd'hui. Voilà. Donc, pas que je pleure. C'est les émotions. Hein. Je me suis pas laissée envahir par les émotions, mes amis. J'ai vite coupé. Je change de sujet. Surtout que j'ai pas l'habitude de pleurer comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui. Autre chose. Aujourd'hui, j'ai repris le sport. Donc, j'ai repris le sport avec ma coach, Sarah. J'ai emporté Jazz, évidemment, avec moi dans le bain. Parce que je lui ai dit que je voulais qu'elle se reprenne en main. Mais au-delà de ça, donc, j'ai repris le sport. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais préféré me reposer. Puisque la semaine dernière, j'ai une grosse semaine. Et le week-end aussi, il a été pas facile. Mais voilà, on avait dit avec ma coach, le 21, on se remet au sport. Voilà, je suis allée déterminée plus que jamais. Là, on prend 3 fois par semaine. Il me reste à peu près 2,5 kg à perdre en un mois. Donc là, à fond, go, 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 le sport à fond. Sinon, à part ça, j'ai Mimi qui est rentrée de la crèche. Regardez ce qu'elle m'a fait pour la fête des mères. Et sure, oui. Oh, wow, thank you, my love. Thank you, my baby heart. Thank you, I love you. You love me? Yes. Me too. Kiss mama? Me too. Kiss mama? Can you kiss mama? Wow, I love you. Say mama, I love you. I'm gonna play. What? Vous savez, avec Mia, faire un atelier de peinture. Et là, donc, j'ai récupéré il y a quelques jours le tableau. Mais en fait, je pensais à faire mettre de la résine dessus pour qu'il y ait un effet glacé, c'est-à-dire brillant, sur le tableau. Parce que je trouvais ça beau. Qu'est-ce que vous en pensez si je le fais? C'est mieux mat ou brillant? Vous savez, les amis, moi, j'aime tout ce qui est peinture. Genre, je regarde tous les premiers tableaux de Mia. Genre, j'aime vraiment tout ce qui est art et tout. J'aime vraiment tout type de tableau, vraiment. De l'abstrait à la personnalisation ou autre. Et d'ailleurs, moi, j'ai un petit tableau que j'affectionne particulièrement à la maison. C'est, parce que vous savez, on est une petite famille. Et Joya, elle est née le 17 juillet. Donc, pour immortaliser ce moment... j'ai fait faire sur un tableau sur mesure personnalisé tous nos prénoms de la famille avec les dates de naissance. Donc c'est vraiment une tuerie. Je vous montre le tableau, je vous en avais déjà parlé avant. Mais je sais pas, je l'aime trop. Ça, en fait, pour moi, il a vraiment une signification parce qu'il y a tous les noms de la famille avec le nom de moi, Umberto, Mia, Gioia. Et il a grave une signification, quoi.
les amis, donc ça c'est mon tableau, c'est exprès pour la famille, donc j'ai mis du plus vieux au plus jeune. Voilà, je trouve que c'est vraiment une super belle idée cadeau, que ce soit pour vos amis, pour la famille, pour immortaliser un mariage, un baptême ou autre. En plus, il va super bien dans la déco, que ce soit ici, à la maison ou n'importe où d'ailleurs. Je trouve que ça passe vraiment partout. Donc voilà, je vais vous mettre tous les détails juste après. Le site, comment le commander et tout. Mais je trouve que c'est vraiment super beau à avoir, quoi. Quand vous allez commander, les amis, sur le site, vous allez avoir plusieurs options. Vous avez le mode couple, le mode famille, le mode prénom, le mode baptême, naissance, animaux. Vous choisissez vraiment ce qui vous correspond le mieux, celui que vous préférez. En tout cas, voilà, ils sont made en Allemagne. Ils sont de super bonne qualité. Moi, c'est vrai que je l'ai déjà offert à plusieurs amis en cadeau quand j'étais en manque d'idées. Et je trouve que c'est une super belle idée cadeau. Donc, je vous mets le lien du site là, juste en dessous. Vous avez moins 30% avec mon code Martika30 pendant 24 heures valables uniquement. Donc, je vous mets tout juste après, mais profitez-en parce que c'est vraiment une belle idée cadeau. Et même pour vous, si vous avez une famille, c'est vraiment top de l'avoir, quoi. Parce que ça rappelle des souvenirs, des moments importants et tout. Donc, c'est juste génial. That it's your time now. Make them see you. Now, if you've ever been called dumb, unattractive, overweight, unworthy, untalented, well, so have I. Whatever you do, don't let negativity of people project.